Oui, oui. Un petit moment, attendez ça pour nous. Allez, un petit volume ça. Information de dernière heure. Un événement quelque part, toujours en direct sur Scoop FM pour un flash déformation. Donc, Scoop toujours devant la question nouvelle. Mais nous ne pouvons pas une nouvelle longue après ça pour vous inviter. Parce que moi, je sais qu'on y a à la mode. Mais c'est vous, s'il vous plaît. C'est un peu nous, on n'a pas annoncé. Parmi les gens qui t'a assassiné Jovenel Moïse, les plus connus, je vais vérifier. Blanc, viens chercher. Quatre pieds importants, ils font mon avion. Qu'on y a, ils parlent avec eux. Scoop. États-Unis. Scoop. Mettez-vous dans. Scoop. Flash général. Bali Bolova. Information de dernière heure. Un événement quelque part, toujours en direct sur Scoop FM pour un flash déformation. Flash déformation. Obligé. Fais effort. On va chercher contre qui nos mouns ça. Mais quatre nos mouns ça, semble maintenant parmi eux, un pasteur avec une qui était haïtien, haïtiano-américain, et de l'autre qui était porte-parole, etc. Créole parler, créole comprendre. Comme c'est quoi, nous allons éviter pour voir ça. Ok, sénateur Benoît. Réaction, sénateur Benoît. Si c'est vrai, il a confirmé que non, moun qui t'a assassiné, qui était en prison, et autorité américaine vient prendre quatre là-dedans, qui je nous a analysé ça comme sénateur, comme ancien premier ministre, comme citoyen et comme moun qui est responsable parti politique. Eh bien, Gary, c'est clair, oui. Ça a montré encore une fois, c'est pour l'exemple, un deuxième exemple, la faillite de l'État haïtien. Voilà un crime qui a 18 mois depuis le fait qu'il sur le sol haïtien. Un président haïtien mourit sous cabane la Haïti, en présence de madame qui était dans la chambre. Un cas qui a supervisé par au moins 20 agents de ces 20 policiers lourdement armés. Après, si tu as un training pour faire ça, tu n'as pas de CAP, tu n'as pas de PSGPN, tu n'as pas de PSP qui est en train, tu n'as pas de Simon ou Udmo et la police nationale qui est dehors. Et nous, quand on voit les contextes, on dit passé, c'est là les points sur la rue, là les points, on peut vous monter sur vous, mais si on va, on tire l'obéi, on monte sur les âmes pointées sur la population, là les points, là les points. Et puis, je vous président mourir, tout le monde mette quoi au sous-côté, il a quitté lâchement. Deux fois vagabond, entrer en deux chambres président, puis on lâche pas ça. Moi-même, l'homme, je suis là dans ma amiral là, moi j'ai effectivement deux à trois haïtiens américains avec un colonel colombien de monter. Moi-même, ma tonne, mais je continue tout soif, moi, parce que DCPJ te font premier rapport, grand juge qui demande une commission rogatoire pour le. Et nous avons dit continuer à approfondir le dossier. Malheureusement, il y a un pile de jeunes chevronnés et investigateurs dans les DCPJ. Ils ont pris pression, le même régime a la joie, ils ont obligé de quitter ça, quitter le pays à réfugier en Grande-Bretagne, au Canada. Et ça, on ne va pas prendre ce coup de mais on dit que le cas pas comme ça. Donc, je veux dire, ça fait un peu de tristesse qu'on a constaté. Faillite. Total, l'État, 18 mois plus tard, vous avez près de 50 personnes qui sont en prison, probablement qui sont innocents, qui ne peuvent jamais paraître devant un juge naturel, qui ne peuvent pas paraître devant un juge d'art, première instance, cinquième juge là, mais qui est jusqu'à présent, qui ne peuvent jamais paraître devant un juge naturel là, qui a coupé dans la prison pénitentiaire nationale, et pour me compte pénitentiaire nationale, en tant que membre de la commission de droits humains, députés et sénateurs, c'est pour tu m'as dit, fais un jour en de prison, allez voir 18 mois en de prison pendant que vous êtes innocent. Donc, c'est dommage, ou est-ce que les Américains, encore une fois, sont obligés de venir prendre un ici pour aller juger l'autre bord, alors que le crime n'a fait sous le sol national, là encore son dégât et son message blague, son message, puisque tout, il y a pas d'autorité étatique pour dire. Ils n'ont pas à la hauteur, ils sont incompétents, ils sont incapables, ils sont corrompus,
n'y a pas fait justice pour confiance, il n'y a pas fait exécutif pour confiance, il n'y a pas fait l'État haïtien pour confiance. C'est ça que j'ai jamais vu. Donc, je suis obligé de prendre 4 mois de l'autre bord, alors que Haïti me déconnait, pas un yéla, là, avant peut-être. Et bon, bon, démocratique, avant de prendre compétent, de prendre le pouvoir judiciaire d'action, on le pense que dans les années 30, 40, 50, nous avons des juges qui sont hautement qualifiés. Ça, c'est un petit dossier. Nous, moins d'une semaine, les recherches criminelles, ça vient comme abouti à cet abou. Et juges compétents que nous avons, ça vient d'entendre tout le monde qui est électeur. Et puis, ça vient de constater qui prend. Donc, même là, moi, je suis la faveur de Mme Jacqueline Chol. Bon, si pas faire ni jouer les frères, on est consultable fini. Et oublier que le Parlement américain, la Chambre des représentants américains, depuis, ça fait peut-être un an que j'ai demandé FBI pour bailler contre moi. FBI a été promis à quoi la première semaine de juin 2022. 7 mois plus tard, même FBI, je suis à coller. Il faut que j'aime qu'on ait un représentant américain et résultat d'enquête. Donc, nous comprenons ça comme ça. Nous comprenons son gros complot international contre Haïti. Côté que le président nous mourit, le monde qui vous connaît, connaît contre mourir. Et moi-même, malgré que nous tenons opposition farouche à Jovenel Moïse et à Michel Martin, à tout régime PHTK, moi-même, en tant que pacifique, parce que moi-même, je ne compte pas faire politique, et peut-être là, peut-être que je ne pas encore. Et politique, là, moi, j'en ai fait. Il n'y a pas qu'à tout vous mettre dedans. Il y a des bon, lignes techniques là-dedans, où il y a droit en face du gouvernement, où il y a droit critiquer, où il y a droit même porter plainte, où il y a droit dénoncer, et pour tout vous gagner, dossier bien documenté, pour le droit interpellé, ou bien droit convoqué pour le gouvernement, où il y a tout dossier bien. Et bien préparé pour la population qui dévoile à représenter le gouvernement pour son travail technique pas fait, son travail bien fait. Maintenant, j'ai tout aimé le travail qui est fait, et c'est ça que j'ai peut-être même estimé le droit que vous voyez aujourd'hui. Donc, Gary, c'est où il a dit son chapitre, vraiment son chapitre triste dans l'histoire d'Haïti. Côté que le président du pays m'a mouru, coupable. Tout le monde connaît qui est qui a l'air par exemple, on va déjà chercher trop loin. DCPJ, TK dit nous, DCPJ, on a dégagé outil pour le terrain. Deux mouns, trois mouns, même deux, c'est pas deux, citoyens américains ou colombiens, deux trois haïtiens, innommés, et qu'on a mis ça, mais ils ont là, le pays articulé publiquement. On a questionné deux trois mouns, ils ont mis des banons répondre à la question pour la mandéa. Qui est-ce qui planifie le bon président? Qui est-ce qui finance? Qui est-ce qui tue? Il y a deux, trois haïtiens qui ont passé librement à l'occupation, qui n'est pas répondu. Qui n'est pas répondu. Mais comme c'est pas pour ça. Alors, sénateur Steven. Comme c'est pas pour ça, mais vite, je dis. Oui, sénateur Benoît, avant, pendant la ferme parenthèse, non, est-ce qu'on ne peut pas penser que si Américain vient prendre et en fait, quatre mouns parmi les mouns qui sont plus importants, même si. Selon peuple haïtien t'a dit tout le monde dans la prison est important même ça qui innocent est important parce que faut qu'il prouve que innocent et mon coupable ou bien complice yo gagne des informations que yo cap fourni est-ce que ça pas t'a vle dit reste moun ki dans prison pour commencer faire fête parce que la justice haïtienne va finalement libérer yo sous prétexte que moun ki était plus important yo qui était dans city yo aux États-Unis qui t'a planifié assassinat là. Donc, comme Américain vient prendre, donc reste qui est dans la prison, donc yon même yon pas trop important, et puis après quelques mois, et pourtant yon libéré tout le monde qui était en bas dans la pénitentiaire. Bon, là encore, c'est ça, même pas là, de saluer les traditions de rupture là. Notre tradition de rupture, justement, justice là, c'est justice pour tous. C'est justice pour tous, et justice à tout le monde, justice à Dieu. Je veux dire là, ou qu'il y a 4 personnes qui planifient, mais je rappelle nous, dans 4 personnes qui montent, il y a une c'est pour citoyen colombien, un colonel de l'armée, retraité, et 3, c'est des haïtiens américains, donc c'est 3 américains qui ont un passeport américain. Donc, américains viennent pour aller là, Kaili, et maintenant, ils vont appliquer justice américaine contre 3 citoyens qui ne peuvent pas oublier tout notre crime international, ça dépend de lieu d'origine. Le crime a été apparemment
monsieur entré à Rigo et Vénézuélien qui a été abattu d'exploitation et son crime tout planifié à côté de la Floride qui a été exécuté pour Brice. Donc, entré à Rigo et monsieur qui a été fait pour plus d'explications, là, la justice peut-être, parce que j'ai entendu déjà, mais il y a eu un peu de quoi. Parce que de toute façon, colonel Rivera qui a arrêté là, il va l'obliger de dire qui est-ce qui écoute, à qui est-ce qui est en contact, qui est-ce qui fait passeport pour lui, qui est-ce qui fait un visa, parce que Colombien pour un visa pour l'État Haïti, qui est-ce qui est logène, et là, il va l'obliger de passer parce que lui connaît effectivement la plus insécurité dans nos prisons fédérales américaines que la pénitentiaire nationale pour tenir pas de capacité. Nous voyons déjà comme M. Dragon, profiter de lieutenant Dragon et commissaire Dragon mourir en prison. Et je m'en suspecte. Donc, nous-mêmes, son dossier, même qui est le marqueur, ma suite dossier, maintenant, étape par étape, et son dossier, pas quitter, parce que pour moi, tout bagage qui doit se fouetter, c'est mon honneur tout haïtien, parce que ça arrive là, Paul va jamais arriver encore. Donc, ma petite la justice fait public. Moi-même, je fais confiance et à la justice américaine. Non? Je ne sais pas si je suis un haïtien, mais malheureusement, pendant ces 20 dernières années, les chefs d'État, les chefs de gouvernement, et les sénateurs, nous avons mis faux juges à la Cour de cassation, etc., dans le coup d'appel, etc. Ils ont foiré complètement le système judiciaire. Mais, encore une fois, justement, là, nous gagnons notre transition de tout ça, un début de correction qui a porté dans le système, et éventuellement, nous espérons dans 2 ou 3 ans. Nouveau gouvernement qui a porté le gouvernement vraiment au service du peuple haïtien, reste peut-être à gagner finalement l'indépendance réelle des trois pouvoirs, côté un juge et de paix, ou première instance, ou cassation, ou d'appel, à gagner moyen pour le bien, donc pour être correct, pour être dans le coup de la famille Bandéa, pour qu'il fasse travail, mais il connaît que peut-être qu'il fasse travail avec tout. On a fait des travaux à gagner, mais la bonne dans tout, qui a permis de vivre bien, qui a voulu éviter de l'école pour ne pas obliger à prendre un bloc jaune dans des corrupteurs ou des corrompus dans le pays. Donc maintenant, je suis campé là sur ça, et ma petite dossier est très près, mais je dis que nous n'avons pas assez, nous sommes dans deux prisons qui connaissent exactement comment le crime est planifié, nous sommes dans deux prisons qui connaissent exactement comment il y a un deux résidents. Qui est sur côté le bail, côté au cartel, et il y a des gens qui connaissent leur acteur président, il y a des gens qui ont à deux supports, qui est exactement qui est dans le chapitre, qui est qui était sous gâchette. Donc, c'est autant de. Moi, je ne vais pas parler de toi, le commissaire gouvernement, c'est pour que je déjà parce que vous démontrez que vous m'intéressez à dossier, et bien détruire ce dossier, parce que encore une fois, je dis, c'est l'inacceptable président pays, comme citoyen haïtien. Haïtien, moi-même, m'a demandé justice pour lui, et c'est tout le fond du cœur, m'a demandé justice pour le président. Vous écoutez. Allô? Scoop. Ah. Allô, sénateur? Oui, voilà, oui. D'accord, très bien. Maintenant, en retourner dans désistement ou se retirer ou démissionner. Regarde-moi dans ma position pour le commissaire gouvernement convoquer moi. Non, monsieur, non, c'est bon. Ne vous inquiétez pas. Maintenant, retourner dans le sujet principal là. Oui. Et...